Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Quittez le côté lumineux pour rejoindre le côté obscur de la navigation. Il est vraiment temps de prendre soin de vos yeux. Pour cela, vous pouvez installer l'extension Dark Reader, qui va s'occuper de modifier toutes les couleurs claires par défaut de tous les sites web que vous visitez en couleur foncée. Pour Yandex, Opera, Brave, Vivaldi et Chrome, cliquez sur le lien indiqué dans la description. Sous Yandex, cliquez sur Ajouter, puis sur Ajouter extension. Sous Vivaldi, cliquez sur Ajouter, puis sur Ajouter extension. Sous Opera, cliquez sur Ajouter. Cliquez sur OK. Cliquez sur Installer. Cliquez sur Oui, Installer. Sous Brave, cliquez sur Ajouter, puis sur Ajouter l'extension. Sous Chrome, cliquez sur Ajouter, puis sur Ajouter l'extension. Pour Firefox, cliquez sur le lien indiqué dans la description. Cliquez sur Ajouter, puis sur Ajouter. Vous pouvez autoriser l'extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. À vous de voir. Puis cliquez sur « J'ai compris ». Une icône s'ajoutera dans la barre d'outils de votre navigateur. Vous avez la possibilité de modifier la police d'écriture ainsi que d'ajouter des sites web à la liste blanche ou noire pour basculer automatiquement ces derniers sur un thème sombre ou non. Vous pouvez bien évidemment activer ou désactiver les fonctionnalités de l'extension, mais aussi paramétrer la luminosité, le contraste, le sépia et le niveau de gris. Voici un aperçu rapide de ce que ça donne sur certains sites. Vous pouvez essayer, c'est gratuit, facile à installer et désinstaller le cas échéant. Vos connards vous diront merci. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.